Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait faire sur Google un petit quiz sur la dernière saison. Du coup, vu qu'on est bientôt à la fin de la saison 2 du chapitre de Fortnite, un petit quiz sur cette dernière, du coup, qui récapitule le début de la saison jusqu'à la fin avec plusieurs questions. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, voilà, j'étais sur des quiz internet. On est tout de suite parti, les amis. Alors, première question. Donc, là, c'est vraiment sur cette saison, hein, chapitre 2, saison 2, avec l'agence, tout ça, tous les nouveaux lieux et les boss et les armes mythiques, du coup. Première question, du coup, je vous ai mis là pour que vous puissiez bien voir. Y a-t-il une nouvelle rareté d'armes? Alors, oui, parce que là, on va réfléchir beaucoup, je pense, pour ce quiz. Une nouvelle rareté d'armes. On a l'arme mythique, enfin, les armes mythiques. Mais d'un autre côté, les sabres laser qui étaient venus à saison 1 du chapitre 2 étaient aussi de rareté mythique. Enfin, c'est la même couleur de rareté. On va dire au cas où, parce que c'est quand même les armes mythiques. Mais voilà. Combien y a-t-il de nouvelles villes? Ah bah du coup normalement il y en a 5 vu qu'il y a le yacht, le requin, l'agence, la plateforme et Loulou la grotte, donc il y a bien 5 nouveaux lieux. Ensuite, troisième question, quel est l'objet principal dans l'île des requins? L'île du requin, enfin voilà. C'est la gourde du brave, la Thompson, la petite carte, la Thompson ou le grappin et la scar mythique. Bon bah là c'est assez simple. La grappin et la scar mythique, mais il y a quand même aussi la carte d'accès au requin. Bon ils l'ont pas mis, c'est pas grave. Quatrième question, du coup, quel est l'objet principal de l'agence? Alors, l'objet principal de l'agence, Thompson plus petite carte, Thompson, grappin, gourde du brave. Alors, grappin, non, gourde du brave non plus. Alors, la Thompson et la Thompson à petite carte. On a la Thompson et normalement la carte d'accès au coffre-fort, donc on a la Thompson et la petite carte. Cinquième question, du coup. N'hésitez pas, bien sûr, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi vos réponses. Vous marquez question 1 ou question 1, voilà, numéro 1 et 5, 3, 4, 5, etc. Et vous marquez le choix que vous avez dit. Comme ça, on participera tous en commentaire, ça va être très marrant. Bref, cinquième question. Y a-t-il un nouveau moyen de se téléporter? Alors, oui, les cabines de WC, normalement. Ah, est-ce que c'est un nouveau moyen? Oui, normalement, il est nouveau, il n'était pas à l'époque. Les toilettes, du coup, oui, servent-elles à autre chose? Oui, comme à l'époque, à se cacher dedans. C'est un peu bizarre, mais on se cache dedans quand même, bref. Comment s'appelle le roi de l'agence? Le boss, oui, donc c'est Arthur, Midas, François. Oh, d'accord. Ils ont été voir Wikipédia, c'est sûr, parce que Arthur, François et Louis, ça c'est des noms de rois de la France. Bref, Midas. Combien y a-t-il de skins dans le pass de combat? Alors attendez, donc normalement il y en a. Il y a Maya, le skin Banane, Mister Banane, donc. Brutus, Tentina, Sky. Non, Miaouskley avant Sky, du coup. Et Midas, il y en a 7 normalement. Ah oui, mais est-ce qu'on compte Deadpool? Il y en a 7 plus. Ouais, dans le pass de combat, il y en a 7. Et après, le skin secret, c'est Deadpool. Mais il fait pas partie du pass de combat vu qu'il est pas dans les paliers. Bref, quel sera le skin secret? Deadpool, Dark Vador. D'accord, j'avais pas vu, j'ai plus. Dark Vador, donc Deadpool. Midas, vu que c'est le skin palier 100. Quel est le skin le plus rare de Fortnite? La ghoule. La ghoule avec deux os. Ça fait mal. Bref, la Recon... Oh, la Recon Expert, comment ils l'ont marqué? Alors, Recon Expert, je tiens à dire que pour le site internet, si vous passez sur cette vidéo par hasard, Recon Expert, c'est juste R-E-C-O-N et non pas 2-N-E. Bref, c'est pas grave. La footballeuse ou Makinos? Alors, Recon Expert, du coup. Même si elle... Enfin, je sais pas quand a été créé le questionnaire, mais à l'époque, oui. Mais à l'heure où je parle maintenant, du coup, c'est plus le skin Recon Expert, c'est le skin Renegade Rider. Et le skin, je sais plus comment il s'appelle, l'autre Aero quelque chose. Et le skin Renegade Rider qui sont les plus rares vu que c'était la boutique saisonnière et qu'on pourra plus jamais débloquer. Mais je pense qu'à l'époque, à l'heure où, vu que ça a été créé en début de saison, le quiz, c'était à l'époque avec bien sûr sans le N et le E à la fin. Bref, quel skin n'existe pas? Le skin Ghoul. Alors, est-ce que c'est le skin Ghoul? Parce qu'il y a un U normalement. Le skin Ghoul, bon, admettons que avec la bonne orthographe ça compte. Renegade Rider, il existe. Footballs, oui. Makino, ça me dit quelque chose. Mais je suis plus sûr. Il me semble que Makino, ça n'existe pas. Footballeuse? Ah ouais, mais est-ce que ça s'appelle comme ça le skin en lui-même? En même temps, Makinos, ça me dit quelque chose. On va dire Makinos. Mais après, il y a le skin, il y a les skins footballeuses. Mais je crois que elles ont un nom spécial. On va dire Makinos. Mais j'ai un doute là. Deuxième question, du coup. Combien y a-t-il de formes du skin Bambi? 8 normalement, 4 filles, 4 gars. D'accord, ils mettent pas 8. Alors attendez, bah, normalement, il y a 4 filles et 4 hommes. Donc normalement, oui. Ah, est-ce que John C compte dedans? Combien y a-t-il de formes du skin Bambi? Bah, il y en a normalement 8. Hein. Je suis désolé, mais il y en a 8. On va dire 7, admettons qu'on compte pas John C peut-être dedans, ou autrement il y en a bien 8. Enfin bref. Qui a gagné la Coupe du Monde Fortnite 2019? Ninja, Tefio, Tixi, Buga.
Voilà, je pense que tout le monde le sait, cette année c'est Buga, hein, qui a... D'ailleurs c'était incroyable, c'était incroyable cette année la World Cup, c'était enfin l'année dernière du coup, c'était en 2019. Pendant l'été c'était vraiment incroyable. En plus ça faisait pas très très longtemps que j'ai commencé à être bon sur Fortnite, donc quand j'ai vu la finale tout ça c'était vraiment incroyable. Bref, quel est l'équivalent de Tilted Tower ou Neo Tilted, enfin bref sous les Tilted sur la nouvelle map, l'agence Lazy Lake, le chat, enfin le requin et Tilted Town. Tilted Town il n'existe plus. Le requin, non, l'agence, non, et Lazy Lake, normalement, parce que l'agence, il y a beaucoup de monde aussi, mais normalement, c'est là où il y a les nouveaux bâtiments, enfin, les anciens, là où il y a le bâtiment, comment on appelle ça, c'est pas une agence, oui, mais c'est, enfin, le grand bâtiment qui, à chaque fois, c'était pris la météorite, tout ça, normalement, il est revenu à Lazy Lake, donc, normalement, l'équivalent, c'est Lazy Lake. Et du coup, la dernière question, quel est le principal objet du yak? Rien, gourde du brave, la Thompson ou l'arc? Le principal objet du yak. Alors ah oui, j'aime bien parce qu'il marque un petit ici. Le quiz Mala ne certifie pas l'exactitude des réponses. Contactez une personne. Alors au yacht, je crois que j'ai dit le yak tout à l'heure. Non, il me semble le yacht, pardon. Il y a pas rien. Il y a normalement là. Il y avait la camitique de Mieus Clay avec la carte. Maintenant, il y a le double pistolet de Deadpool. Mais il y a ni rien. Il y a ni la gourde du bras, ni la Thompson, ni l'arc. L'arc, c'est à la comment on appelle ça? La plateforme, la Thompson à l'agence, la gourde du bras, bah, elle n'existe même plus. Donc on va mettre rien, mais normalement, il y avait l'AK et maintenant il y a du double pistolet. Bref, voyons le résultat. Alors on a 13 réponses bonnes sur 15, c'est pas mal quand même sur les 15. Alors et on va voir la correction ensemble. Y a-t-il une nouvelle rareté d'armes? Oui, bonne réponse. Combien y a-t-il une nouvelle ville? 5, d'accord, bonne réponse. Pour la Scar plus Grappin, bonne réponse. Jusqu'à là, ça va, on a tout bon ici. Roi Midas, tout ça. Quel sera le skin secret Deadpool? La Icon Expert. Alors, combien y a-t-il de formes du skin Bambi? 5. Il y en a 6 pourtant. Attendez, on va aller vérifier, je vais voir une fenêtre. Je veux qu'on aille vérifier quand même parce que on va mettre formes différentes skin Bambi, je pense. Parce qu'il y en a 8 normalement skin Bambi. J'y crois pas. Si un jour on m'avait dit que j'irais chercher combien il y a de formes au total de skin Bambi. Alors, voilà. On va aller sur ce site là, il est bien. Hop, voilà. Alors, voyez, chapitre 1, il y en a bien 8, on est bien d'accord là, ils sont 8. Là aussi, chapitre 2, il y en a 8. Le site, c'est pas forcément les bonnes réponses. Donc, bref, 5, malgré qu'il y en ait 8 de base. Donc, on peut dire que ça aussi, c'est bon. Parce que, on va pas se mentir que là, il y en avait 8. Bref, qui a gagné la Coupe du Monde? Buga, Lazy Lake. Et là, l'arc. Alors, pareil, ici, ils se sont trompés. Parce que le yacht, normalement, c'est la plateforme. C'est à la plateforme qui a que l'arc. Donc, bref, normalement, si on s'en tient aux vraies réponses, enfin, qui étaient bonnes, j'ai eu 15 sur 15. Vu que le yacht, c'est le double pistolet, tout ça. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était vraiment très courte pour que vous sachiez un petit peu des vidéos qu'on fait en ce moment. Là, comme ça, un petit questionnaire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas, bien sûr, de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications pour recevoir toutes mes vidéos. On approche très rapidement du cap des 300 abonnés alors que je tourne cette vidéo. Donc, bref, n'hésitez pas à vous abonner, à me follow sur Instagram, Twitter, et bien sûr, à partager cette vidéo et à commenter, comme je vous l'ai dit, vos réponses. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Ciao!